collider. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I. Et yop les gens, c'est Matt Couder pour une nouvelle vidéo qui sera sur 60 secondes, mais deux petites secondes avant, je préférerais vous dire un petit truc. J'ai créé un compte Twitter, donc je vous invite à aller voir mon compte Twitter, donc voilà. Hop, vous êtes déjà 6 sur mon compte Twitter, ça fait extrêmement plaisir, donc j'ai tweeté quelques trucs, donc vous pouvez venir voir et vous abonner donc, enfin me follow donc. Je commence à m'habituer à Twitter et j'aime bien, enfin on communique déjà pas mal et puis franchement j'aime bien. Donc voilà, et on se retrouve sur le jeu. Allez, à tout de suite. Et donc re les amis, donc voilà, on est sur 60 Seconds, donc un jeu qui est sorti il y a à peine un an, enfin même pas en fait. Et ce jeu est à 10€ normalement sur Steam si je me trompe pas, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le jeu, à part que c'est un jeu assez fun et très addictif, parce que moi, je me souviens où j'avais survécu 40 jours, et je voulais absolument battre ce score, donc on va essayer de le battre ensemble aujourd'hui, dans cette vidéo, et donc, je vais faire des coupures, parce que c'est extrêmement long, donc, donc voilà. Alors, il y a toutes sortes de mini-jeux, il y a entraînement, apocalypse, collecte et survie, donc à chaque fois qu'on va sur des menus, donc on voit un peu ce que ça fait. Voilà, je vous laisse regarder donc. Et nous on va prendre l'apocalypse. Après il y a collecte, en gros collecte, enfin je vais vous dire, collecte ça fait que on doit collecter le plus de choses en 60 secondes. Et là on doit survivre, je sais pas trop ce que c'est la survie, mais je pense que c'est un peu comme apocalypse. Entraînement, en gros il y a un officier qui vient et qui vous dit tu vas récupérer ça en 60 secondes, etc. Tatatitatata. Donc nous on va aller direct en apocalypse et je vais vous montrer un peu comment est le jeu. Donc c'est parti. Ok, on est sur le jeu. Donc là il vous laisse quoi? Il vous laisse 15 secondes pour vérifier vite fait la maison et après on doit prendre le maximum de choses. Ok, donc c'est parti. On peut prendre soit notre famille, enfin on peut prendre notre famille ou rien du tout en fait. On peut être tout seul. Mais le problème quand on est tout seul, attendez, on va prendre elle, mais vu qu'elle est, elle prend de la place, on va vite la déposer. Voilà. Go go, vite 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 vite. Timmy, merci. Le masque aussi, parce que ça sert, en fait. Vous allez voir qu'à la suite, tous les trucs que je prends, ça va être... ça va nous servir. Ouh, ok, le fusil, c'est important, le fusil. La dame Dolores, voilà. J'ai perdu son nom, enfin, son prénom. Ok, on prend les jeux, le livre, la radio. Ok, ok, c'est cool. Y a pas la map, y a pas la map. Merde. Ok, tant pis, on prend toute la bouffe qu'on peut. Ok, merde, on a plus de temps. Bon, c'est tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ok, donc on a quand même pas mal de choses. On a quand même pas mal de choses. Ok, alors on a la carte. Je me souviens pas avoir pris la carte. Enfin, bref, tant pis. Ok, là, donc on a Dolores, Ted, Marie-Jane. Ok, j'allais dire Marie-Jeanne en bon français, mais non. Ça va pas le faire. Donc on a combien de bouteilles? 5, 7, ça passe pas mal. On a un masque, insecticide. Un fou peut faire pratiquement. Ok, alors je pense que le livre, il nous empêche d'être fou en fait. Enfin bref, let's go. Donc, on a claqué la porte du bunker. Dernière seconde, ouais, c'est vrai que c'était chaud quand même. Lorsqu'on a ouvert l'abri, on a remarqué que quelques étagères étaient occupées. Donc, plus une carte. Avant d'arriver dedans, on avait déjà ça. Les étagères sont pleines de boîtes, nanana. On dormira avec les boîtes, on parlera avec les boîtes. Et certains le font déjà. Ok, les ressources doivent... J'essaie d'aller un petit peu vite, enfin assez vite, parce que là, c'est... Donc rationnons les ressources, au moins ceux qui restent. Donc ils ont pas faim, ils ont rien. Donc ils se démerdent. Ok, en fait à chaque fois à la fin il y a des petites histoires, genre qu'est-ce qu'ils font et tout. Donc nous on s'en fiche un peu. Ok, jour 2, il commence à avoir un petit peu de barbe, le Ted. Genre ils étaient pas sales comme ça avant. Enfin bref, c'est pas grave. Marie-Jeanne n'a pas eu de problème aujourd'hui, elle va très bien. Timmy semble d'être ok. Notre vie est bien loin d'être la vie en rose, mais Dolores est de bonne humeur. Ok, Ted va bien, ça c'est dit. Donc personne n'a faim, enfin, je crois pas. Il nous conseille de pas sortir. Alors, là on a des décisions qu'on peut prendre, soit oui, soit non. Donc il faut déjà lire pour comprendre ça. Ok, en gros, il y a une brique qui s'est détachée du mur. Alors allez voir quelle brique. Et il y a une puanteur dedans, donc ça peut nous contaminer. Donc on préfère pas, je préfère pas y aller. Donc en fait le pire dans ces jeux-là, c'est la maladie. Surtout quand, en plus moi j'ai même pas de trousse de soins.
Donc c'est vraiment un problème. Vous, en fait, vous avez tout soif. J'ai une petite technique, c'est d'attendre la déshydratation pour qu'ils boivent, parce que sinon, ça serait de la perte d'eau. Je préfère pas mettre mon nez dehors, hein. Clairement, parce qu'avec les... avec l'explosion qui a eu lieu, je préfère pas... Enfin, parce qu'après, il va avoir plein de maladies, donc non. Bon, on a un masque, mais... Ok, en gros, les tuyaux sont détachés, donc le bunker est rempli d'eau. On va sauver la carte. Putain, ouais, mais après... Merde. Putain, ouais, du coup, la radio va pas si bien que ça, donc... je garde la carte parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a des militaires qui vont nous donner des coordonnées, donc... Donc voilà, du coup, notre radioactivité a été détruite. Bon, c'est pas très grave, Mary Jane ne cesse pas de s'évanouir. Ok, donc... Vous avez extrêmement soif. C'est pas comme si on est un petit peu à la Bordeaux. Mais bon. Seul problème, c'est quand dans le jeu, quand vous voulez... Bon, allez, on fait une expédition pour demain. Ok, mais vous voulez qu'on fasse quoi, en fait? J'ai pas de kit de soins, mais bon, c'est pas grave. Jour 4. Jour 5, putain, déjà. Ok. Je suis un peu perdu. Alors, épuisement. Et les deux vont bien. Alors, pourquoi ils sont épuisés? Vous m'expliquez? Bref, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, c'est l'expédition... Ted est vraiment fatigué. Ok, alors personne a faim, épuisement, ouais, ils ont rien en fait. Ok, alors là on prépare l'expédition, donc on va envoyer Dolores, Beams, donc le masque, ouais, allez, le masque. Alors on est optimiste, nanana. Ok, bon, j'essaye d'être un peu speed parce que il est un peu long, donc. Mais bon, il y aura des coupures, donc je vais abréger les textes. Mary Jane ne s'inquiète pas, au moins elle ne dit rien à voix haute. Timmy est très brave, quels que soient les dangers et périls qui rôdent autour de nous. Donc là, c'est parti, ouais, c'est bon. Avec le masque, et Ted va bien, ok. Donc tout le monde va bien, c'est parfait. Timmy, il est bien, il est au calme. Il y a des putains de cafards dans notre bunker, donc... vous voulez que je fasse quoi? Que je fasse un truc, là? Avec l'insecticide, ouais, je sais pas. Non, je préfère rien faire, perso. Parce que j'ai... Oui, bon, c'est vrai. C'est plutôt... Le jeu a été fait par beaucoup de youtubeurs, mais moi, je préfère... Alors là, ils se plaignent parce qu'il y a plein de cafards, mais c'est quoi ce délire? Et franchement, oui, donc je disais aussi... il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos de ce genre, mais je trouve que c'est sympa de voir tous les youtubeurs faire ça, parce qu'il y a chacun son histoire, en fait, et je trouve ça cool. Ok, jour 8. Est-ce que Dolores va venir? Non, pas du tout. Ok, il y a des cafards là, il y a des cafards géants. Berk. Ok, ils ont soif tous. Ok, la traduction, elle est vraiment bizarre. Ben? C'est qui Ben? Ah non, peut-être que se dire Ben, enfin bref. Mary Jane ne cesse pas de s'évanouir, elle est fatiguée, elle devrait boire. Oui, donc Timmy est dans un état lamentable, il lui faut de l'eau, Ted doit boire aussi. Ok, donc putain, ils ont encore soif. Ouais, j'ai pas trop compris, mais on va lui donner un bouquin. voilà, donc oui, il y avait un panneau stop disant neveu de re, je sais pas quoi. Et on n'a pas compris, en fait. Voilà, donc, on a essayé de communiquer avec leur chef en la seule langue qui comprenne la violence. Oh putain! En gros, ils sont tous bien. Timmy, il est bien. Apparemment, Ted va très bien. Oh, yeah, j'adore ça. On a trouvé une petite valise sur le seuil. Qu'est-ce qu'on fait? On jette un coup d'œil alors qu'il pourrait avoir des trucs de ouf. Ou peut-être que c'est Dolores qui nous a livré ça. Allez, on n'hésite pas une seconde et on prend la valise. Ouh, Dolores, putain. C'est bon, ça. En plus, elle a rapporté le masque. On est plutôt bon, là. On est plutôt bon, elle a juste faim. Oh fuck, il y avait... Oh putain, j'en suis sûr, c'est des boîtes périmées. Ah putain, on a trouvé un peu de soupe dans la valise, mais Berk, elle était périmée. Fuck, on était très content de voir Dolores restituée par le désert. Plus 1, le masque. Ok, plus 1 en soupe, plus 2, plus... Oh là 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 là, mais Dolores, mais... Ok, donc plus 2 d'eau et plus 1 hache. Ok, donc on va commencer... Alors attendez, faim, maladie et... Ok, il n'y a que elle qui a faim, de toute façon tu le mérites. Petite expédition, on va envoyer Timmy de toute façon. Et c'est parti. Jour 11, on est plutôt bien parti. Enfin bon, on a eu un malade, putain j'en étais sûr. Enfin j'en étais pas si sûr parce que j'ai dit oui, mais... Fuck. Timmy, alors est-ce que... Oui, ils ont tous besoin d'eau. Alors attendez, film avec Humphrey Bogart. C'est qui lui? Enfin bref. Ted a très soif, oui. Bon, attends. Timmy, il va boire et partir. Est-ce que vous croyez que la maladie, elle est toujours à la surface? Parce qu'en fait, les 5 premiers jours, il y a la maladie. Et après, il n'y a plus la maladie parce qu'elle s'est enfuie. Enfin bref, il va y aller avec la carte.
parce qu'on a extrêmement besoin de quelque chose à manger ou autre. Plus que 5 bouteilles, cette boîte d'hydratation, ok, ça plaisante pas. Timmy a quitté l'abri pour explorer le désert, on espère qu'il va s'en sortir. Ted, il a un pied dans la tombe, c'est un peu con ça. Déshydratation, c'est parti, bim, 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 et toi t'as faim. Ok, alors, ouais, on va les laisser entrer. J'ai compté, hein, on avait 7 boîtes de soupe et 5. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok, plus 1, c'est déjà pas mal. C'est, bah en fait, c'est cool, en fait, déshydratation, fin. Si seulement on pouvait intercepter quelques communiqués de radio, on saurait déjà quelque chose. Ok, bah let's go, quoi. Let's go to the radio, voir ce qu'on peut faire. C'est bon, ça. En gros, ils ont communiqué avec le gouvernement et les expéditions à la surface sont 2 fois moins risquées. Le gouvernement est notre seule chance de nous en sortir. Ok, donc il faut quand même les... parce que ça peut nous aider, en vrai. T'as embarqué la carte et t'es plus là, mais... Oh là 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 là. On est mal parti. Ok, le gouvernement, il fait évacuer les survivants dans notre quartier, mais il faut attendre. C'est cool. On se demande pourquoi il y a une bombe, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est survivre. Jour 16 dans pas longtemps. Et Ted, il va probablement crever, en fait. Et Timmy, il est mort. Ok, on n'a pas encore de nouvelles de l'autre, là. Attends, c'est qui est déshydraté? Soif. Ok. Ok, par contre, il nous faut grave de l'eau. Ok, alors, à mon avis, c'est des enfants médecins. Et si... Enfin, ils se déguisent en enfants médecins. Et peut-être ils ont une trousse de secours. Donc, on va leur donner un peu d'eau. Et dites-moi qu'ils nous ont donné une trousse de soins. Putain, ça fait chier. Moins 1 pour rien. Putain, en gros, on a donné pour rien. On aurait dû leur dire d'aller se faire foutre, quoi, sérieux. Parce que ça nous coûte une moitié d'eau. Putain, what? Non. Non, on va éviter. Lorsqu'on a ouvert l'abri, on a trouvé une valise. Est-ce qu'on doit jeter un coup d'œil? Eh ben, bien sûr. Au point où on en est. Oh, le Timmy. Oh, Timmy. Putain, pas trop de soins, par contre. Ted, je crois que c'est la fin pour toi. Ted, il a faim, il est malade. Oh là 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 là. Quel dommage. Plus 1, plus une carte. Bah oui, c'était la carte qu'il avait pris, ce con. Plus une boîte, plus 2. Ah ouais, attendez. Ok, c'est cool, donc... la valise a été pas piégée pour l'instant. C'est plutôt cool. Marie Jane... Ok, alors, fin. Elle a rien. C'est plutôt cool. Alors, les deux que je peux envoyer en expédition, c'est elle et elle. Plus tu mérites ta petite boîte de conserve, ma poule. Donc voilà, prends. On envoie qui? Ok, alors, il y a eu un téléphone qui a sonné de l'autre côté de la rue, donc on envoie qui à l'expédition? Ted? Mon Ted, t'es tellement fini. Non, je préfère qu'il meure après cette expédition qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'on a? Entendu un grand soupir de soulagement. Ok, il était en train de baiser le mec. Sinon, on n'a rien eu. Et ok, c'est cool. Ok, on envoie quelqu'un en expédition. Alors, là, j'ai pas de carte, donc fuck it. C'est pas grave. Jour 20. C'est déjà pas mal, bon, je dis. Très bien que je batte mon score. Soif, faim, déshydratation. Soif, faim. Ok, là c'est la catastrophe. Toi t'es en déshydratation. Et tous les autres s'ils ont faim. En fait, vous cassez les couilles. Ok, c'est bon. Ok, on va lui donner le masque. Voilà. Je croyais que je l'avais plus, mais si. Parce que vu la tronche de Timmy, le pauvre, je préfère prendre le masque. Hein. Ok. Bon. 5 bouteilles, 6 boîtes. Ok. Marie-J mérite bien quelque chose à manger. De quoi elle mérite rien, hein. Mais bon, c'est pas grave, on va te donner à manger. Putain, elle mange, mais elle fait rien. Hydratation, soif, bon ça... Nickel, alors. Ok, alors en gros, il y a 2 gars au galop, et ils se croivent pour des putains de chevaliers, donc... Enfin, de cavaliers, et ils ont perdu leur chemin, parce qu'ils sont à la recherche de calices antiques. Enfin, je sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout, donc j'espère qu'ils vont nous donner... Oh, la carte, elle est pas bousillée, cool. Et est-ce qu'ils nous ont passé des choses? Plus 1, yes. Malgré tout, ces farfelus semblaient plutôt sympas. C'est cool, ça. Ouais, alors qu'est-ce que vous avez? Déshydratation, faim, déshydratation, c'est le plus important. Ok, je sais pas de quoi ils parlent, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Jour 23. Ted, il va bien. Ted! Oh, ah mais oui, il y a des médecins, ils nous... Oh là là, la chatte qu'on a.
Ok, je vous résume en fait, parce que c'était important. À la fin du livre du jour 22, je crois, enfin je sais plus, il y a un médecin qui a fait des piqûres aux autres et il a guéri absolument tout le monde. Et ça, c'est hyper sympa, franchement. Est-ce qu'on a de l'eau quelque part? Mary Jane pose la question toute la matinée. Timmy est guéri. Timmy est épuisé. Et il semble que Ted est guéri. Oh là là, c'est merveilleux ça. T'as soif. Donc Ted, il va plutôt bien. Alors, toi, t'es déshydraté. Par contre, faut vraiment qu'elle revienne. Ça, elle s'est fait choper, elle. Hop, voilà. Toi, t'es déshydraté, donc fuck it. Ok, alors il y a des communiqués de l'armée qui nous ont dit qu'on doit laisser des indices devant notre porte ou devant notre maison. Donc ok, on va laisser les cartes. Ah, elle est revenue. Elle est revenue avec le masque. C'est bon. Alors +1, +1, +2. Ray-J, il mangerait bien quelque chose. Ok, mais toi tu fais que manger. Grosse dinde, on peut se le dire. Déshydratation, faim. Et soif. Alors, faim. Toi, tu manges rien. Ok, alors toi, tu vas partir à l'expédition demain. Et que ça saute parce que toi, tu fais rien. Et avec le masque, mais j'ai peur qu'il se pète, en fait. Ou peut-être avec la carte. Non, tu vas partir avec la carte. Ou sinon, on va rien faire parce qu'on est plutôt bien dans la game. Tant qu'on est sauf ici, on peut y rester. C'est vrai. Donc ça, c'est un petit conseil. Donc, je vais en prendre compte. Et je vais rien faire. Déshydratation, faim. Merde, putain, j'ai oublié de la nourrir. Non. Ok, donc on va rien faire en fait. Parce que tant qu'on est sain et sauf, ils disent: je prends en compte vos petits conseils, cher Padawan. Elle fait rien et elle est fatiguée. Oh là 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 là. Déshydratation. Je t'avais pas donné de l'eau, toi? Épuisement, fatigue. Putain, il y a que Ted qui est bon là dans la game. Faim, soif. Et ben on va rien te donner. Tout simplement. Attendez, au début, ils nous ont dit quoi? Ok. Quelqu'un est derrière la porte. On a un peu peur, mais si on ouvre, on verra peut-être un sourire amical d'un soldat américain. On ouvre. Oh là 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 là. Pourquoi pas? Surtout qu'on a... Merde. Désolé si je coupe comme ça les vidéos, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute. Et alors, je crois qu'il nous a donné des boîtes. Déshydratation. Oui, il nous a donné des boîtes, le salaud. Toi, tu vas commencer à y aller. Oh, vous avez vu la connerie que j'ai fait là? Je lui ai rien donné. La précipitation. Je suis dingue. Mary Jane dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien. Donc ça, pour une fois qu'elle a besoin de rien, la pouf là. Timmy est dans un état lamentable. Il lui faut de l'eau. Dolores se sent bien. Autant bien que possible dans un bunker comme celui-ci, j'avoue. Ted est parti à la surface espérant qu'il va revenir. Je pense pas parce que... Jour 30, putain, on n'est pas allé vite. Fatigue, faim. Donc on se débrouille, on fait comme on peut. Ouh, on n'est pas seul ici. On partage notre demeure avec un énorme lapin poilu caché dans un des tuyaux. Par contre, si tu touches nos provisions, c'est mort. C'est quoi? On peut pas laisser cette créature les toucher. Oui, bah oui, je suis totalement d'accord. Attends, en plus on a oublié les balles, donc... Donc le fusil, il est pété, bien sûr. Fusil endommagé, c'est parfait. Alors attends. Qu'est-ce qu'ils disent? Nos boîtes sont sauves. Pauvres mutants, poilus, malchanceux, on est toujours au sommet de la chaîne alimentaire. Allez, c'est bien ça, ça nous motive. C'est plutôt cool. Alors toi, par contre, t'as faim. Toi, bah... Arrête pas de manger. Voilà. Ok, donc il y a encore un tuyau qui a pété, donc il y a encore de l'eau qui coule. Allez, vas-y, boy scout, désolé, mais... Au revoir. Ce serait bien pour l'éducation, mais... Oh, il est resté en vie! C'est bien, ça. La malnutrition nuit au système immunitaire et peut provoquer des maladies, c'est clair. À la fin, en plus... Putain, ça devient la catastrophe dans ce bunker. Attendez. Hourra, le problème est résolu. Pas de trou, pas de problème. Notre petit abri propre de nouveau. C'est bon, ça, c'est bon. Alors, attendez. À la fin, en plus... Alors, toi, t'as besoin de tout, comme d'habitude, et toi, t'as soif. On n'a pas de balles, donc ça sert à rien de lire. Ce serait juste de la perte de temps, c'est tout. Ok, il est revenu. Oh, putain, je t'aime, Ted, je t'aide. Je t'aime, parce que je t'aide. fatigue. Ok, alors, toi, par contre, t'as faim. +2, +2, +1.
plus. Oh là 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 là, mais Ted, mais t'es un génie. Oui, donc oui, les expéditions de maintenant, ils sont plutôt. Non. Ils sont plutôt safe, comme ils ont dit à la radio. Donc merci la radio, franchement. Et on essaie de jouer purement stratégique, hein, je le dis. Merde, j'ai pas lu, putain, il y avait une expédition. C'est quoi le délire du coup? Ouais, bon, au pire, vous relirez la vidéo parce que moi j'ai pas pu voir du coup. La jeune fille a vité. Ouais, pff, ouais, c'est ça que je dis, j'ai tout loupé de toute façon. Maintenant, oui. Alors, elle a rien. Je pense qu'elle nous a donné de l'eau, non? Ou peut-être rien. Bref, faim. Fatigue. Bon, toi, tu crèves la dalle, donc. Désolé. Demain, quelqu'un en expédition, donc c'est cool. Tout se passe plutôt bien. Ok, c'est cool ça. Par contre, toi, tu vas y aller avec le masque parce que toi, mais t'es trop forte. Ou pas? Non, tu vas y aller avec la carte. Avec la carte, c'est soit ça, soit tu meurs. Et oui. Parce que normalement, il n'y a plus de maladie qui rôde. Donc tout va bien. Ok, alors là, c'est la cata. Déshydraté. Putain, on s'en sort bien, franchement. Franchement, on s'en sort plutôt bien. Jour 37. Et on est en normal game. Hein. Faim. Putain, mais maintenant. Oh là là, mais c'est. Bon, c'est quoi, tout le monde a faim. Hop. De toute façon, on a beaucoup de soupe, donc. Pas trop un problème. Ok! Ok! Alors. Putain, on a plus de fusil, mais c'est une blague! Ils offrent 4 bouteilles d'eau contre un fusil. Oh my god, on aurait dû prendre la hache, bordel de merde. Putain, bon, on échange ça. Ils offrent contre ça. Bon, il y aura plus. Ah, mais non. C'est quoi le délire là? Ils offrent. Attendez, on a besoin de quoi? On a besoin d'eau. Ou peut-être deux. Ouais, non. Tant pis, putain, ça aurait pu nous aider à survivre. Bon, c'est pas grave. Au pire, on a de l'eau. Épuisement, fatigue. Bon, sinon, à part ça, tout va bien. Plus 1, moins 1, normal. On aurait pu au pire les tuer et tout prendre, non? Vous en pensez quoi? Un grognement inhumain? Ouh là là, ça plaisante pas. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est visiter, du coup, avec un peu d'insecticide pour éviter. Oh putain, l'insecticide, il a survécu. Entendu parler d'une femme qu'ils viennent de saisir. Oh non, fils de quatre. Oh. Du coup, ils en disent quoi là? Ok, ouais, bah du coup, l'autre, elle est plus là, quoi. Pff, putain, fait chier. Ah, ok, donc. Ok, alors ils ont remarqué un truc dans le quartier. Peut-être que c'est une carte au trésor ou une carte tout court. Donc, t'es blé. Vas-y. On a confiance en toi, t'inquiète pas. Putain, oh merde, il est malade, le con. Ah, j'aurais dû envoyer personne. Surtout que c'était même pas une carte en fait. Putain, c'était une mauvaise blague. Oh my god, j'aurais dû y penser. Oh my god, Dolores, elle était partie avec la carte. Et c'est. Oh my. Oh putain, mais quel con. Et du coup, c'est Dolores. Enfin, ils ont pris la carte de Dolores pour faire une mauvaise blague. Putain, mais pourquoi je réfléchis pas, bordel? Je suis con. Oh là là, mais quel con je suis. Putain, vous pouvez le dire. C'est pas grave, c'est le silence de la mort à l'extérieur. Peut-être. Ouais, bon, allez. Oh putain, non, il y a des brigands à l'extérieur, donc je préfère pas prendre de risques. Je vais attendre qu'ils s'enfuient, qu'ils nous oublient, parce que là. Là, on a des petits problèmes avec les brigands de maintenant. Ça fait un peu chier. Puis en plus, ils sont tous crevés, donc c'est mort. Maladie, épuisement, fatigue. Ils veulent qu'on les envoie une personne pour leur parler. Oh my god, c'est des gens de l'armée. Ouais, bon, allez, hein, de toute façon, bon, on en est. Autant devenir fou. Ok, donc qu'est-ce que c'était? À mon avis. Ok, donc ils sont fait interroger par les soldats et du coup, ils vont nous recontacter pour en parler, tout simplement. Donc faim, il a faim. Et du coup, on commence une expédition pour demain. Y a-t-il un remède? Bah écoutez, on va écouter la radio pour voir s'il y a un petit remède dans les environs. Ok, pourtant on a assez de matos, regardez. On a un masque, une radio, une valise, une lampe de poche, un guide du jeune scout, boy scout, et une hache, putain, mais que demande le peuple? Ok, donc on a des trucs ou pas? Et c'est parti, tu y vas, et cette fois tu vas t'équiper d'une hache au cas où. Oh, hein? C'était quoi ça? Oh, tu peux équiper plusieurs trucs. Et tu vas pas tout prendre, hein. T'es pas une folle non plus, hein, dans ta tête. Tu prends pas ça, tu prends rien, tu prends la hache, bien sûr. Ouais, tu vas faire une putain d'expédition, meuf.
Donc ce que tu peux prendre, c'est les cartes. Pourquoi faire? Pourquoi faire, vous allez me dire. Mais bon, là au moins elle peut se défendre, elle peut coopérer avec des avec un jeu de cartes, mais bon, what the fuck. Donc nous, il nous reste... putain, mais c'est déprimant. Maladie, épuisement, fatigue, déshydratation, enfin... On commence à dépasser la ligne de la soif, donc ça commence à être pas cool du tout. Mais j'aimerais bien que Ted il aille mieux, quoi. Enfin, je sais pas, tu t'es reposé ou comment ça se passe? Putain, j'aurais peut-être dû attendre un peu avec les brigands. Je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Mais ça me stresse un peu, là. En plus, lui, il est malade, donc voilà, c'est bon, c'est la mort. Ok, le système de ventilation, il bug, donc encore le livre. Parce que le livre, il répare absolument tout. Et il se bousille même pas. Voilà, putain. Le livre de la vie. Le livre de la vie. Putain, je vous jure. Oh, oh merde, on va crever. Putain de merde, faim. Il a faim. Putain. On est dans le caca. Je préfère profiter de toute ma bouffe. Parce que là, c'est la mort. De toute façon, je pense qu'on a perdu. Merde, ça fait chier. Tout putain, mais si l'autre, elle s'est fait choper, mais je vous jure. Plus, ils atchoument. Encore une piqûre comme en début de game. C'est cool. Moins 1, bim, là. Ouais, mais là, ça commence à être la catastrophe, là. On est jour 47. Le 47 ressemble fort au 41. Donc, j'ai un peu peur, moi, de ça aussi. Les chiffres de trompeur, ça me fait peur. Voulez-vous acheter une pierre? Oui, oui, clairement, clairement. Et à mon avis, c'est quelqu'un de sympa. Le vieux Jim était toujours très gentil, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait. Très bien. Maladie, faim, tu vas éviter... Ouais, si, mange, mange, mange. T'as besoin de guérir, mec. Donc, on n'a pas de cartes, putain. En plus, on est parti avec les cartes, donc... Oh! Oh! Oui, elle est là, elle est là, elle est là. Par contre, elle a ramené une carte ou je rêve? Ok, alors là, il y a un chapitre. Donc, lisez, parce que moi, j'ai pas vraiment le temps. Lisez, lisez, faites-vous plaise. Donc, plus 1, moins 1 et moins 1. Ok, on a perdu 2 trucs pour ramener 2 trucs. C'est plutôt cool. On a perdu la valise. Non, on a perdu 3 trucs. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont fatigués. Est-ce que vous pensez qu'on va arrêter les expéditions? Ah non, c'est mort, on n'arrête pas. Hein. Parce que ça, c'est 2 gamins, soif, malade. Y a pas... En fait, il y avait moyen de faire un truc, je sais pas, avec, avec un livre et des insecticides. Enfin, il n'y a pas moyen là qu'ils nous mettent ce petit programme. Surtout qu'on peut plus. Allez, Boy Scout, tu vas nous réparer. Il y a des araignées au plafond et donc faut les boxer, quoi. Clairement. La famine! Je t'avais oublié, meuf! Je suis désolé, en plus, oh là 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 là. Déshydratation, famine, donc elle a vraiment faim. Et donc plus 1, oh là là, l'araignée de la vie, quoi. On n'a toujours pas perdu. Le livre de la vie, je vous jure. Le livre de la vie. Alors, en gros, le plan ici, là, il est tombé du mur. Et à ce qui paraît, il y a des il y a peut-être un coffre dedans. Il y avait un... Oui, si, il y avait un coffre-fort. Et on ouvre. Il y a peut-être un kit de soins. Putain, il y a un cadenas. Ouais. Là par contre c'est la catastrophe. Oh my god, regardez-moi ces têtes. Oh my fucking god, ils vont même pas survivre. On est au jour 51, ils vont pas survivre. Putain. Timmy, t'y vas et tu prends la carte. Surtout perds pas la carte, sinon je te défonce la gueule. De toute façon tu vas mourir, c'est sûr. Donc enfin, je dis c'est sûr parce qu'en fait vu qu'il est malade, il peut en avoir marre. Donc il était fatigué. Oh, j'ai envoyé un estropié malade avec l'Ebola dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On se pend? Ou je crois que c'est lui qui a faim, je crois que c'est elle qui a soif. Mais vu que je suis intelligent, je me suis trompé. Voilà, hop, et hop. Ok. Ça peut être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Doit-on ouvrir? Oh là 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 là, j'en sais rien, moi. Faim, non! Oh my fucking god. Oh my god. Oh my godness. Putain, en plus on avait beaucoup de provisions pour survivre, quoi. Sérieux. On l'a fait, on a été sauvés par les braves soldats. On a gagné. Et du coup, attendez, je vais juste voir un truc. Dolores n'est pas revenue, malheureusement. Oui. Et sinon, Timmy, t'es où Timmy? Ouais. Oh, Timmy il est parti alors que... Oh fuck. Vous avez survécu. Oh, je suis refait en vrai. Je suis tout ému.
clairement. Donc oui, n'hésitez pas aussi à aller à partager la vidéo parce que bon, c'est une petite réussite, on a réussi à survivre. Et je peux vous dire que c'est bien la première fois que je réussis à survivre. Et donc, on a fait les bons choix pour pouvoir survivre malgré quelques morts. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, bah mettez un j'aime pas donc. Et je mettrai la vidéo sur Twitter et sur YouTube. Comme ça, vous pourrez voir un peu... Enfin, vous faites comme vous voulez pour ceux qui sont sur Twitter. Et donc, voilà. Peut-être pas sur Twitter, enfin je sais pas trop comment on fait mais je vais voir. Donc je vous dis à la prochaine et salut.